Selon Schopenhauer, toute vérité franchit toujours trois étapes. D'abord ridiculisée, elle subit ensuite une forte opposition, avant d'être considérée comme ayant toujours été une évidence. Katia Foggia est une Guadeloupéenne de 45 ans. Depuis près de 20 ans, cette passionnée de science-fiction et d'écologie travaille en autodidacte sur un engin évident à ses yeux. L'intracepteur de son nom serait capable de révolutionner le mode de transport des humains. L'intracepteur, c'est un engin qui va s'élever depuis le sol et va permettre de transporter un nombre important de personnes parce que la force qui est retenue à l'intérieur, qui retient l'air du moins à l'intérieur, va être relative à l'espace, donc va être restreint à un espace selon une formule. Une formule encore sur papier, complexe, mais longtemps réfléchie. Sur le bureau de Katia, des schémas explicatifs, mais aussi des croquis détaillant toute l'ingénierie du système. Pour comprendre, mieux vaut être initié, mais pour Katia, le procédé est très clair. Nous allons créer notre propre système de réseau à l'intérieur. Il fonctionnera selon les normes qui découlent de la théorie d'Euclide. Et comme nous allons constituer un environnement différent, les normes, enfin, elles vont devoir s'adapter par rapport à la quantité de matière et par rapport à la quantité d'espace qui représente l'ensemble. En ajoutant une formule mathématique qui va créer une inconnue, cet inconnu va se retrouver à occuper un espace aussi important que l'espace sur Terre par rapport à la quantité d'informations que l'ordinateur va transporter, la quantité et la vitesse du moins. On va utiliser à l'intérieur la climatisation, et bien l'air va se retrouver comme un petit nuage et il va s'élever et donc élever l'engin. Et en ajoutant après un réacteur, et bien on devrait avoir une poussée encore plus importante. Selon Katia Foggia, plusieurs organismes dont la Fondation DiCaprio étudierait ce dossier. La chercheuse autodidacte invite aussi chaque Guadeloupéen à participer à une campagne de financement participatif. Le but, obtenir des fonds pour créer un premier prototype. Et peut-être voir un jour l'engin s'élever dans le ciel de l'archipel.